À l'occasion des 50 ans de la station, nous allons parler de l'évolution immobilière de celle-ci. Donc un couple de commerçants installés depuis pas mal d'années sur la station et qui vient nous parler du développement immobilier de celle-ci. Alors depuis 1976, nous sommes arrivés le 1er novembre 1976, le front de neige était presque terminé, c'est-à-dire que le Lavalette était en cours de livraison. Ouais. Exactement. On a ensuite construit une partie du hameau avec, quand les Anglais ont vendu aux Libanais, Ziad Takeddine a construit tous les immeubles du hameau, ensuite les Adrets et après le Bristol. C'était l'époque anglaise. Après, Libanaise. Et après, il y a eu donc la construction de Pierre et Vacances et MMV qui c'était pas. C'était Magellan. Le groupe, le promoteur, c'est Magellan. Ouais. Et les chalets du Mercantour que nous avons fait nous avec trois autres associés. Alors, on avait zappé une partie. C'est et les immeubles et Saint-Clair aussi. Les immeubles Saint-Clair. Saint-Clair. Oui, vous étiez propriétaire d'ailleurs, non? Non, pas du tout. Alors, c'était à l'époque des Libanais également, dans les années 81-90. Donc, ça, c'était la société. Avant Pierre et Vacances, c'était Ribourel, Saint-Clair 1, Saint-Clair 2, Alpazur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu d'un coup un tournant pour construire plus vers le haut et avec une architecture totalement différente? C'est vrai que dans toutes les stations des années 70, au niveau architecture, il y en a d'autres comme Flaine, comme Avoriaz, comme ont un aspect un peu rebutant, donc qui n'est pas classique à la montagne. Et les Libanais ont voulu trancher avec ce qui avait été fait au départ par les Anglais et ont construit les petits immeubles chalets du hameau qui sont toujours très très beaux et très appréciés des clients. Voilà. Après, il faut reconnaître aussi que les immeubles du front de neige avaient un avantage, c'est la galerie marchande et le départ ski au pied garanti. Exactement, c'est-à-dire que grâce au canon à neige et grâce à l'enneigement, parce que Isola 2000, il ne faut pas oublier qu'on est à 2000 mètres d'altitude, la neige est fabuleuse par rapport à d'autres stations. Je ne vais pas parler des stations de la Côte d'Azur, mais des stations même du Nord. On a énormément de neige et franchement, on a une chance inouïe d'être à 2000 mètres d'altitude avec les retours de Lombarde, c'est-à-dire la plaine du Pô qui est juste derrière nous, qui permet d'avoir un enneigement exceptionnel. Et c'est vrai que le front de neige, pour ça, il y a toujours, toujours la clientèle, même dans les reventes qu'on fait régulièrement sur le front de neige, des clients qui sont uniquement front de neige, uniquement. On ne peut pas les faire passer ailleurs. Mais par contre, on a également une clientèle maintenant que le télésiège 6 places débrayable a été installé, les canons à neige du côté sud. On a une clientèle aussi qui se développe, qui continue à apprécier plutôt le hameau qui est vraiment très sympa parce que c'est convivial. C'est vrai qu'il n'y a pas malheureusement de commerce là-haut, alors que la moitié de la station est sur le versant sud. Ce point, donc, on va finir sur ce point. C'est la commune a récupéré des terrains, oui, donc on va voir ce qui va se développer pour les années futures, pour les 50 ans à venir, on va dire. Oui. Voilà. Et puis je vous remercie. Merci beaucoup. La commune a un développement qui va se faire derrière la pharmacie, juste avant d'arriver sur les Adrets. Dans le trou qui a été fait il y a très longtemps. Et là, normalement, il y a une construction qui devrait se faire avec une salle de conférence extraordinaire qui permet des parkings. Ouais. Ce qui est très important pour la station parce qu'on manque un peu de parking. Beaucoup. Ouais. Beaucoup. Ouais, quand on voit comment les gens sont garés, c'est vrai, c'est compliqué. Allez, merci. Merci. Avec deux médaillés aux JO d'hiver, une rencontre avec François Olivier était incontournable. Bon François, toi tu fais partie des personnalités incontournables de la station, et pourtant t'es pas arrivé au début de celle-ci. Au début de celle-ci, j'avais 6 ans, mais je suis monté la première année à Isola 2000, je m'en rappelle encore quand j'étais tout petit. J'avais 6 ans et mon oncle avait fait une saison ici comme moniteur de ski, et j'étais venu quand même la première saison voir comment c'était.
Et il y avait énormément, énormément de neige. Alors, raconte-nous un peu la suite. Comment t'es passé du ski au snowboard ? De suite, comment c'est arrivé ? Et moi, en fait, je suis arrivé en 84 ici à Isola 2000, où j'étais moniteur stagiaire à l'école du ski. Et en 85, a commencé à sortir le snowboard. Je m'étais déjà mis au monoski. Et à partir du moment où j'ai eu mon diplôme en 86, je n'ai plus fait que du snowboard. Je me suis vraiment lancé côté snowboard et c'est vraiment la passion de ma vie. Bon. Et après la naissance du club, comment ça se passe ? Tu y as participé ? Ben, la naissance du club, en fait, le club il a été créé par des passionnés. Moi, je les ai toujours aidés, mais à cette époque-là, moi, je courais en Coupe du Monde. Donc, j'avais pas assez de temps pour m'occuper du club et faire tous les voyages que je faisais à l'étranger. Donc, je me consacrais surtout sur ma carrière professionnelle sportive. Mais j'essayais quand même de toujours être un soutien pour le club back-to-back. Bon, le club, maintenant, on le connaît et il est connu en plus. Ouais, je pense que le club back-to-back, c'est un des plus grands clubs de France. Déjà au niveau des résultats avec deux médailles olympiques, on est parmi les meilleurs clubs de France, même toutes disciplines confondues. Ensuite, on a quand même plein de titres de champion du monde junior, on a plein de jeunes qui ne sont pas allés plus loin mais qui ont trusté les titres de champion de France pendant des années dans le snowboard. Et ça reste un des centres avec Isola 2000 les plus attractifs pour organiser des compétitions de snowboard et pour faire du snowboard. Alors, qu'est-ce qui fait que ce club aujourd'hui arrive à sortir à des petits champions ? Bah, je pense que c'est pas vraiment le club, c'est Isola 2000. On est un peu, c'est un peu un endroit spécial, Isola 2000. On est au fond d'une vallée, c'est que des gens rapportés, c'est pas vraiment un esprit montagnard. Il y a beaucoup de fous ici. C'est un endroit à part. Même moi, tous les gens du snowboard, quand ils viennent faire les courses à Isola 2000, ils disent que de toute façon, si t'es pas venu faire des courses de snowboard à Isola 2000, t'es pas un snowboarder. Donc ça devient la Mecque du snowboard, Isola 2000. Ah, je pense que ça fait partie des 2-3 stations en France les plus branchées snowboard et où il y a le plus de compétitions de snowboard. Et on sort un champion par génération à peu près au club back-to-back. Bon, bah je te remercie. La construction de la station avait entre autres pour objectif de garder les enfants au pays. Nous partons à la rencontre de l'un d'eux. Bon, Jean-Louis, un isolien qui évolue en même temps que la station. Exactement, en même temps que la station. J'étais au début de la station, à la construction. On travaillait chez Pomagaski, Grand Travaux de Marseille. On a fait les télécabines, les remontées mécaniques. Là, tu étais employé carrément par Pomagaski ou uniquement par la station ? Grand Travaux de Marseille, qui travaillait avec Pomagaski. On a construit donc les cabines et les skis jusqu'en décembre. Et ensuite, je suis rentré comme pisteur à Isola 2000. On était 4 pisteurs. Voilà. 4 pisteurs, ça fait pas beaucoup par rapport à la station, non ? Oui, on était 4 pisteurs. Et puis la première année a été un peu hippique parce que la première année... On est resté bloqué, il y a eu beaucoup de neige. Donc, on a tous été évacués dans l'hôtel Chastillon, qui se trouve au bois de la station. Les moniteurs, certains étaient partis travailler à la coloniale parce qu'ils n'arrivaient pas à travailler ici, quoi. C'était difficile à travailler ici, étant donné qu'il y avait des clients qui n'étaient pas là. Et ensuite, on est resté donc bloqué pendant un bon mois. Et ensuite, on est parti passer les examens de moniteurs à l'Alpe d'Huez. On est arrivé à l'Alpe d'Huez. Il n'y avait pas de neige. Ici, on était bloqué par la neige. Là-bas, pas de neige. Donc, j'ai passé mes examens là-bas et puis on est revenu. Passer les examens sans neige, ça doit être compliqué, non ? Oui, disons qu'on est habitué à skier dans la poudreuse. Donc, on est arrivé là-bas. Bon, j'avais pris une paire de VR17 pour les connaisseurs. Heureusement que j'avais pris ça parce que j'ai pu skier sur les VR17. Parce qu'ici, j'avais que des allées-majors, des skis bien souples pour la poudreuse. Et là-bas, les skis en poudreuse, ça n'allait pas, quoi. Bon, alors après les années passent et tu deviens moniteur. Ben disons qu'en 72, donc j'ai passé mon monitorat de ski. Ensuite j'ai fait l'armée à Isola 2000 et la Colmiane parce que m'ont fait devancer l'appel en gendarmerie de montagne. Donc j'étais ici, j'ai l'armée donc chez moi, on peut dire. Et l'année d'après, je suis rentré à l'école de ski. Voilà. Comment c'était l'école de ski au début de la station ?
Alors, au début de la station, c'était une petite famille. Hein. C'est sympathique, c'est Gérard le directeur, Gérard Moret. Après, il y avait Jacques Baudin, Françoise Martin, René Blanc, il y avait Rudy, il y avait tous ces moniteurs-là qui étaient au début. Quoi. Donc moi, je suis rentré. Chez Kivoleka, un gars du village, on faisait beaucoup de ski pour nous. On aimait bien faire des couloirs, tout ça, parce qu'on n'avait pas trop de travail. Quoi. Mais c'est pas grave, on était contents. On aimait le ski, donc on skiait beaucoup. Bon. En plus, tu as été, on va dire, moniteur d'une célébrité aussi. De Francis. Oui, Francis Lay, oui, c'était quelqu'un qu'à l'époque, il est arrivé ici à Isola. Il faisait du vélo-ski. Donc, j'ai eu comme ça le hasard. J'ai eu Francis. On a commencé à monter sur les skis. Ensuite, chaque année, il venait skier. Et c'était quelqu'un vraiment associé, on peut dire, à la station. Et je me suis donc occupé de Francis et beaucoup de Laura, sa fille qui est toujours ici, et d'ailleurs en vacances avec sa maman, avec Dagmar. Et c'est vrai que j'ai beaucoup skié avec eux, là beaucoup profité, puis en plus, et tellement la gentillesse de cet homme, c'était quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé, vraiment. Alors, un petit souvenir, une anecdote que tu as de ces années sur Isola. Oh, la peine d'anecdote, hein. Tu sais, au départ, c'était on faisait la montée pour aller faire la descente au flambeau. On partait d'ici, on montait par Roubine, on avait un rattrape avec une corde qui nous tirait derrière. On venait faire la descente au flambeau comme ça. Ensuite, on damait les pistes à pied, hein, Ensuite, bon, mais on a eu les fameuses fêtes des moniteurs, qui étaient très célèbres. On faisait sur la piscine. Après, on faisait les fêtes de moniteurs le soir, où il y avait à Tanière, il y avait toujours des concours de chanter, c'est très sympa. C'était une très très bonne ambiance, c'est vraiment des moments inoubliables. Bon, ben, je te remercie. Voilà, ben, de rien, bonne journée.